Ok. Je tiens juste à dire que j'ai reçu, on vient de recevoir un mail à la Mégaforge de la part de Jocelyn. Jocelyn qui nous dit bande de cacamou MDR. Alors, Jocelyn, j'espère que ça va. Jocelyn, j'espère que tu passes une bonne soirée. Jocelyn, je ne pourrais pas répondre à ta question qui me semble assez importante quelque part. Mais voilà, Jocelyn, tu me plais beaucoup. Jocelyn, tu es quelqu'un qui pose des questions importantes. Et c'est ça qui compte. Et laisse pas s'enfuir cette enfance que tu as dans ta tête encore, Jocelyn. Voilà. Alors, Katamari Damashi, j'ai même pas changé le logo là. Je voulais faire ça moi à la base, genre bliblap, voilà comme ça, tic tac, on passe à l'attaque. Voilà, ça c'est mieux pour du Katamari. Alors, on va se détendre vite fait là, histoire de finir. Réponds-lui, miroir. Non, non, je lui répondrai pas, je lui répondrai pas. Allez, tac, let's go. Ok, le mec il vient de me hurler dans les oreilles. Ok. Ma manette ne marche pas. Si, c'est bon. Attends. Oh. Attends. Est-ce que j'ai perdu toute ma progression de la dernière fois? Tiens. Tiens. Qu'est-ce que... Oui. Tiens. Attends, je vais tester un truc là. T'as fait F1. J'ai l'impression que j'ai F1 là. J'ai F1 de ouf. Bah... Je comprends pas. Bon bah écoute, va falloir que je leur fasse, va falloir que je leur fasse hors stream, parce que on va pas recommencer quand même en entier. Du coup bah écoute, j'ai l'impression que par le coup du sort, on va devoir faire du GeoGuessr quoi. Tu reviens un peu le sentiment là, avec Spyro ou pas? Bah ça va, c'est Katamari si tu veux, donc c'est comme Spyro, c'est pas trop un problème de recommencer. Mais alors RE2, mais je sais pas pourquoi, j'imagine, en fait j'ai eu le même problème. Sur merde, c'était quoi qui a fait ça? Sur Dead Rising, sur le premier Dead Rising, c'est-à-dire, mais bien sûr que je l'ai sur Steam, Katamari. Et le problème, c'est que j'ai eu pareil sur Dead Rising, où en gros les données de save ont pas, oui pareil, Monster Hunter pareil, Monster Hunter Dead Rising, j'ai eu le même problème et je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai pas ma save. Attends, est-ce que je peux peut-être faire un truc? Ou je sais pas, je vais vous remettre un petit peu de musique du coup. Histoire de faire passer la pilule, voilà. Voilà. Faut que je vérifie un truc au niveau de la save. Bougez pas, bougez pas. Parce que j'ai l'impression que... Non mais si, activer la synchronisation Steam Cloud. Pourtant normalement, bah voilà, je suis censé avoir mes saves, mais le mail de Jocelyn a niqué la save. Merci, hein, merci Jocelyn. Hein. Je pourrais refaire la partie, je vais pécho tous les poneys du monde. Oh, ça va être un de ces bordels. Non bah écoutez les gars, on va faire du GeoGuessr jusqu'à ce qu'on soit fatigué, parce que bah voilà, c'est un peu la merde. Bon bah tant pis, hein, c'est pas gravissime. De toute façon. Ça va, c'était Katamari, je pourrais recommencer, c'est pas grave, je pourrais recommencer, ça se recommence. Si tu vois l'œuvre de ta vie et sans un soupir te mettre. Si tu vois l'œuvre de ta vie détruite et si sans un soupir tu te remets à rebâtir, alors tu seras un homme, mon fils. GeoGuessr. Let's explore the world. Attends, je vais même le foutre sur Chrome plutôt que sur Firefox. Voilà. Je vais changer ça aussi. Eh hey, écoute, c'est pas grave. Eh, hey, c'est. Franchement. C'est dimanche soir. Dimanche soir, c'est glande. Dimanche soir, c'est bordel. On va sign up, comme ça on sera tranquille. Avec Google Plus. Google Plus!
Il y aura du EDF 4.1 dans la semaine. Dans la semaine, je sais pas, parce que là, ça va être un peu vénère. Demain, il y aura donc le lundi oldie que je ferai avec Driver et le Roi Lion sur Super NES. Mardi, SCAD va prendre sur quelque chose. Je me souviens plus ce qu'il m'a dit, excuse-moi. Et il y a aussi mardi, je crois, mardi... Ah non, c'est demain en plus qui sort le... Non, c'est mardi. Mardi, il y a un jeu qui sort qui s'appelle Hong Kong Massacre, qui est extrêmement vénère. Alors peut-être que je prendrai en deuxième partie de soirée ou dans la nuit après ce qu'il y a dur pour vous streamer ça, parce que ça va être une tuerie. Il y a mercredi, je sais plus qui prend, enfin là ça va être vénère. Toute la semaine va être vénère. Et ouais, je vais faire Driver, ouais, pour lundi aussi. J'adore Driver, donc bien sûr que je vais faire Driver. Donc bougez pas, je vais prendre, on va faire une map world déjà pour commencer, histoire de se foutre en jambes. Skibidi pop pop. Waludo, non ça marche pas, merde. Supprimer, bougez pas. Hein. Je suis en train de faire mon bordel. Enfin faire mon bordel, pas tellement. Je suis en train de faire ce que je peux quoi. Et c'est déjà pas mal. Ah c'est déjà pas mal, putain. Je fais ce que je veux. C'est dans la vie, franchement, c'est pas forcément facile. Oh, j'adore cette chanson. Tac. Et il faut que j'augmente un petit peu la taille de cette fenêtre. La fenêtre. Ouais, je fais des blagues à des malais. Bah écoute. Pas faire ça quand on est malade. Jamais. Hop. Ah voilà. Écoute, c'est fait. Allez, let's go. Waouh. Et allez, on est encore au milieu de nulle part. Voilà. Il est là le truc de GeoGuessr. C'est que j'ai GeoGuessr Argentine. Non, regarde, il y a des lacs. Non, tu crois que c'est en Europe? Écosse, ça sent Écosse, mais avec des petites montagnes comme ça, là. Europe de l'Est, tu crois? Écosse, ça dit Écosse un peu? Et dans quel sens la bagnole? Merde. Casse-toi! Voilà. Et dans quel sens la bagnole? La bagnole est ici. En Écosse, ils conduisent de l'autre côté de la route. Là, on est dans le bon sens de la route, donc c'est pas en Écosse. Vu que... Est-ce que je peux avancer? Pourquoi il veut pas avancer? Pourquoi j'avance lentement? Ok. À mon avis, c'est pas en Écosse, hein. Colorado, Écosse avec des montagnes. Australie! Tu crois que c'est Australie? T'es dans une boucle temporelle. Bah, j'ai l'impression quoi, que le personnage était. Enfin, notre bagnole était un peu. Peut-être qu'il y avait un warp dans le coin. Ouh! Ça fait maison américaine. Inch'Allah, ça fait maison américaine, ça. Putain, y'a un panneau là, mais il a aucune provenance. Putain. Qui a dit Europe de l'Est tout à l'heure? Les petits toits en briques comme ça, les petites maisons blanches avec les petits toits en briques, ça fait Europe de l'Est de ouf, ça. Attends, je vais switch de chanson un peu. Oh, Siphon Filter. Oh, pour une musique d'investigation, c'est génial, ça. C'est toi, Skad? Franchement, ça fait Europe de l'Est, là. Les bandes blanches sur la route, c'est pas US. C'est vrai aussi, ouais. C'est vrai que ça fait pas très US, ouais. Un petit Roumanie, franchement, je le sens, ouais. Oh, oh, oh. La voiture la plus small du monde. Excusez-nous, on est très pressés. L'arrière de la voiture va plus vite que l'avant, c'est un problème. Ah putain, on voit pas les plaques. Un 4x4 Suzuki. Ça a l'air roumain à l'intérieur ou quoi? Putain, on voit un peu la plaque. Mais j'ai l'impression d'être dans NCIS avec la chanson, quoi. Oui, il roule du bon côté de la route pour que ce soit au Japon là. Enfin, il roule pas du bon côté de la route pour que ce soit au Japon, je veux dire. Oh, une autre. Pip pip. voyons voir. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Ils ont tout flouté, toute la bagnole quoi. La bagnole a une identité propre. Regarde comment il conduit. Ah, j'adore. Oh, Islande. Fjallvägum. Vädersturðvar. Ödvar. Vädersturðvar. Islande, ouais.
Hein. Islande. Et bah du coup, attends, je suis con. On est avec le mec qui a des panneaux, c'est le mec qui se barre. Donc on est en Islande. Allez, à plus. Faut qu'on trouve le panneau. Et normalement, il doit y avoir des noms des numéros de route. Ah non, merde, c'est des panneaux de... C'est la sécurité de la routière. C'est la sécurité routière, ça. C'est la sécurité routière. Je dirais pas Islande, mais pays scandinave. Non, mais y a rien à dire. c'est islandais, ça. Y a pas à dire pays scandinave. Ça, c'est de l'islandais. C'est ni du norvégien, ni du suédois, ni du danois. C'est de l'islandais. Après, c'est peut-être... Ça peut être aussi du... les îles Féroé. Mais en voyant maintenant, en voyant la montagne, c'est vrai que c'est assez évident. Regarde, quand tu regardes ça là, avec l'espèce de sable noir, enfin la terre noire là, c'est évident que c'est dans ce coin-là en tout cas. Ouais. C'est Midgard. Midgard. Nidavellir. Est-ce que tous les mecs font 2m30? Ah, c'est nul. Allez, on va déjà voir l'Islande commence. Ah, donc apparemment on est paumé dans la vie. Ouh. J'ai envie de jouer à Tekken. Alors oui, par contre, pour faire le guess, ça va être compliqué, là. est-ce que je peux avoir une carte? Non? Est-ce que c'est pas possible, donc? Allez, on est là. Let's go! Mais... Tu vas me dire que j'ai cliqué dans l'espace, en fait. j'ai cliqué dans l'espace. Donc c'était bien en Islande, hein. C'était... Nulle part, à côté de Tjörneshreppur. Donc ouais, j'ai cliqué dans l'espace, bon écoute, hein. Merde, j'étais juste à côté de Saturne, c'est con. Allez, next round, c'est bon, celui-là il marche. Ah oui, en fait, on peut spawner dans l'espace si on gère pas, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un panneau là-bas. Attends, parce que Tekken 3, il est en train de péter un plomb, il est en train d'avoir un AVC là. Oh, les Wulong. Compralo piedras negras. Ouh, faut pas dire ça. Attends. C'est moi ou... Genre le panneau à un moment il a muté. Attends. Y a... Non mais c'est pas grave. Déjà la qualité d'image, c'est genre Brésil ou Argentine. Mec, ça va être Argentine encore. Kanako, c'est Kanako. Ah, Pérou, non? Non, ou alors... Oh non, je crois que c'est marqué autre chose. Oubliez pas, hein, regardez pas sur Google, les gars. Hein, vous aidez pas, parce que, voilà, faut que ça reste quand même... faut que ça reste avec... faut que ça reste de bonne foi, voilà. Kiev. Jérusalem. Pero... Ben oui, mais en fait, j'ai l'impression que ça merde un peu. Pero en piedras negras, d'accord. Compralo, pero en piedras negras. Ok. C'est bien entretenu chez vous, les gars. Hein. Vous êtes de quel pays? Ah, il est marrant, son truc, à lui. Mm-hmm. Ok, il va falloir qu'on bouge encore un peu, là. Compra... Ouais, c'est encore compralo con las piedras negras, ou je sais pas quoi, là. Tengo la camisa negra. Pas parla americano. Huh. Ils sont en train d'enterrer un cadavre, je pense. C'est le début de Fallout New Vegas. The game was rigged, Tony, from the start. This is it, Luigi! Salut, Elbakers! Se vende! Putain, tu veux vendre ça, poto? Se vende esta casa! Ok, donc. Seranta madera para simbra, se venden la. Ok, le mec, il veut vendre ça, par contre, hein. Il est sur le point de vue que ça, et bah écoute, ça peut se vendre, y a pas de problème. Écoute, faut y croire dans la vie, hein. Fabrication. Fabrication. En bord de route, ça se fait. Et putain, je sais pas si ça va être très... Carl Fez. Ok, voyons, va falloir qu'on bouge encore un petit peu. On est encore sur une autoroute du malheur, là. En plus, ils les nomment pas, leurs autoroutes, ces cons-là, là, dans ces pays-là, ils s'en foutent. Il est sur quelle autoroute? Bah, celle-là, là. Non, mais laquelle? En plus, elle est toute niquée, leur autoroute, là. Je sais pas ce qu'ils ont fait. C'est censé être du bitume, ça, les mecs? Non, ils sont en train de creuser. Ok, d'accord. La bleue. Ils sont sur quelle autoroute? La bleue, là. Mais c'est quel numéro? Ah, ils sont à 4. Tout se vend, de toute façon. C'est vrai que tout se vend aussi.
Pour moi, c'est le Mexique, forcément vers le nord. Katmandou ? Quoi ? Ah, Kat, d'accord. Je me suis dit, quoi ? Il a vu un panneau avec marqué Katmandou ? Mais non. Ce qui est dur, il est... Nani ? Wow, attends. Ah ouais ! Ah quand même ! On est sur du rafistolage de route. Dis donc, t'as vu, on dirait presque un pays civilisé quand on fait ça. Ah merde, non, reviens. C'est 8 Man. Je suis en train de changer de dimension. Putain, non, il y a un panneau. Ah non, c'est bon. Non, le panneau a disparu, c'est bon. Preparatoria EMSA de Jiménez. Coahuila se cumple. Putain, sur les bus, c'est bon ça. Putain, ça fait mexicain ça, non ? Check les plaques des bagnoles. Ouais, mais la caméra, elle est pas assez de bonne qualité là. Ce qui me fait de plus en plus penser au Mexique d'ailleurs. On va avancer encore un petit peu. Quoi, Julia, ça a l'air de revenir souvent. Tu crois ? Corona ? Corona extra ! Abarrotes ! Garcia ! Ouais, ça va pas nous aider parce que Garcia. Garcia, ça peut être environ 20 millions de personnes. Dans 20 millions de pays différents. Pour moi, c'est le Mexique, je vois que ça. C'est vrai, Funeral ? Bon, écoute, vas-y. Funeral, il a été au Mexique. Il sait comment c'est. Il a dit le nord du Mexique. Tu dirais de quel côté du nord de... Quoi, Julia ? Putain, oui ! Piedras Negras, putain ! Oh, le con ! Oh ! 53 bornes ! Bravo, Funeral. Bravo, Funeral. Franchement, bravo tout le monde d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont dit le Mexique, franchement, bravo les gars. Fucking wetbacks. Bravo les gars, did you enjoy? Ah, j'ai vachement enjoyé là, franchement j'ai enjoy de ouf. Alors, oh, ben... Y a pas d'ombre. On est dans un pays qui n'est pas doté d'ombre. C'est, oui, ça c'est beau, c'est très joli comme coin, ça fait Écosse pour le coup là. Ça fait France, non ça fait pas France, ça fait plus Écosse je trouve, non? Oh non, putain, c'est Espagne ou une connerie comme ça, non ? Attends, recule. Réhabilitation y mejoramiento de la carretera ! Pérou ! Non, ça c'est Pérou pour le coup. Ça, je crois que c'est vraiment Pérou. Il me semble que ça, c'est marqué Pérou, non ? De la República. Chili ? Chaussette, tu dis Chili, tu dirais Maroc ? 2014 à Barra, ok. Top. Ça va nous aider. Dans la cordillère des Andes, El Pérou. Il y en a qui disent Pérou, il y en a qui disent Chili. Il y en a qui disent Irlande. Toujours. Après, c'est possible. Franchement, si t'as envie de foutre la merde, t'attends qu'il y ait la bagnole de Google qui passe et tu fous des pancartes dans une autre langue que la tienne. Juste pour foutre la merde. Genre, le mec, il arrive, c'est marqué. Eh, pienso. Caché Pounce. Caché Pounce, c'est la merde. Pounce, viens pas. Pounce, viens pas. Les poneys, ouais. Putain, par contre, ils sont... C'est quoi, c'est les stalkers ou quoi, les poneys, là? Alors, voyons voir. Il y en a qui... Donc, on dit plus Pérou, Chili, un truc comme ça, c'est ça? Prends-en. Je suis désolé, mais... J'adore, la soundtrack de Tekken 3 est vraiment géniale. Oh. Oh, Nani. Esta carretera, ok. Para todos. Perú. Et ben voilà, le progrès pour tous. Progreso para todos. Y Perú sigue creciendo. Ok. Pérou, mais où? Pérou. Ayacucho. Il y a un truc là, il y a Ayacucho. Ayacucho, Abancay ou je sais pas quoi là. Abancay, c'est là. Kilomètre 120, donc c'est sur cette route là. C'est sur la grande route qui est là. Kilomètre 120. Kilomètre 210, je veux dire. 210 bornes, ça va faire quoi, vous pensez? Genre là? Vous pensez que c'est dans le coin là? Chicharos? Los chinchariños? Oula! Calucachochat! Plus loin? Là, genre, ici? Bah là, on va tenter là, ok? Allez, on tente là. Une petite michette de 210 bornes. Allez, ici, là.
33 km. Et on est bon là, on est bon et en plus on fait vite là. Oh putain! Pourquoi il transporte du matériel explosif lui? Mais ça va, il a l'air plutôt plutôt tranquille. Oh! El bonhomme Michelin. Hein, c'est quoi cette vieille bagnole ça? C'est l'Europe de l'Est ça? Oui, c'est la Russie, ouais. Il y a Enculatrix qui a gueulé. On est en Russie! Et pour le coup, bah ouais. J'ai l'impression. Est-ce qu'il fait un fuck lui? Non, il fait un fuck, non? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est en train de se foutre le doigt dans le pif? Est-ce qu'il fait ce con? Non, il fait rien, ok, il fait rien. Le mec, il transporte un réacteur nucléaire. PY, c'est Russia. Ou Pologne? C'est peut-être Pologne. Ouh, il y a beaucoup de véhicules récents pour être polonais, non? Ouais, SCAD, PY, ça me fait penser à la Pologne, moi, non? Ouais, vous aussi, vous diriez Pologne, hein? Comme le saucisson de Pologne! Bon, on va avancer un petit peu. J'aime bien mes camions parce que souvent, il y a des... Major. Ouais, ça va pas nous aider parce que c'est des compagnies internationales en général. On est tombé sur un vrai camionneur. Je suis sur lui, il a sa plaque d'immatriculation sur le devant du camion qui dit Kiki dessus, tu sais. Eh, t'es un enculé, mec. T'es un enculé, il y a un panneau là et tu me fais ce coup là, sérieusement? Mec, sérieusement? T'es sérieux là? Ah voilà. Ah. Et ouais, Russie, je crois que c'est la Russie. Ils sont pas en cyrillique en Pologne. Non, c'est pas du cyrillique hein. Gueule de camionneur, des bras de déménageur. South Wales. Bah heureusement que j'ai pas lu ça parce que... Ouais, ça c'est du cyrillique ça. Ok, il va falloir qu'on trouve un autre panneau. En tout cas, on est sur du cyrillique, donc on est sur de la Russie, je pense. La Russie, oui, mais où? Merci, Madness. Madness, c'est le narrateur, tu sais. C'est le narrateur dans Darkest Dungeon. Ok, on passe, non. Ne jeter blablab, skibri blablab, skibri papap. Ratata. Ratatata. Ratatatata. Tensa fara, tensa. C'est pas évident, hein. C'est quoi, KG ou café? Café, non? C'est café, ça. Ouais. Café. Novi God. Ouais, ça c'est café ça. Maragote. Ça va pas nous aider là, putain. Oh 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 oh. Ciao. Là, y a Martin. Martin, il est paumé. T'es pas chez toi, Martin, rentre. Oh putain, c'est Ruba. Ruba, tu penses que c'est la maison de quelqu'un, tu penses là? Car c'est une piste. Ciao. God dang it. Oh. Est-ce qu'ils sont en train de faire un vide-grenier là? Eh mais c'est n'importe quoi la Russie. Mais regarde, qu'est-ce que c'est? Aruba, c'est un pays? Arrête. Sérieux? Non, ça c'est pas Aruba, c'est Ruba. Bienvenue en Russie. Non mais c'est n'importe quoi. Un vide-grenier, ouais, c'est un vide-grenier de tes ennemis politiques, quoi. Vide le grenier de tes ennemis politiques. Tobolsk. Toumen, ouais, c'est ça. Attends, on était déjà venu ici. Tomolensk et tout, là. Osnik, mais attends, on est déjà venu dans le coin. Enfin, avec ces bleds-là, on était dans ces bleds-là, en tout cas. Osniki. On était venu en coin un jour. Ah, en fait, on n'était pas paumé dans l'univers, on était juste... Merde. C'est bon. Une ville indiquée à 376 bornes. Oui, non, mais d'accord, mais... Mais je crois que c'est des gros... Je crois que c'est des grosses villes, justement, donc on pourra peut-être... Moskva... Ouais, mais non, c'est de la merde ce que je fais, là. C'est de la merde ce que je... Quoi, mec?
Quoi, au lieu de dire mec, dis direct. T'es passé devant Tumen, c'est vrai? Tambov, j'étais passé par là, là. T'es passé devant Tumen. Hein. Attends, c'était quand j'avais les grandes villes, là. Perm, ouf. Tumen, bah oui, Tumen. Mais du coup, c'est à 376 bornes, quoi. Et maintenant, il faut trouver Izibi Bliskili, là. Ou alors Tobolsk. Et bah voilà, Tobolsk, c'est là. 73 bornes, 376. Et du coup, à 6 bornes dans le coin, il doit y avoir... à Siniki. C'est complètement ghetto hein, comme façon de bosser, mais vu les distances utilisées, bah ouais, c'est bidon un peu, hein, mais oh, cynique, putain, on a trouvé cynique. Oh les cons, les gars, on a trouvé, merde. Bon, ouais, ça doit être dans le coin là, ça doit être dans le coin, allez, vas-y. Oh là là, mais j'y crois même pas, quoi. Oh, 4 km. Oh putain, 4 bornes. Eh, hey, on déboîte sur cette partie, les gars, là. On est en train de tout niquer, là. Ah, c'était bien, ça, vas-y. Ah, c'était cool. Alors, ok, c'est exactement le même endroit où on était tout de suite, quoi. Il y a un gros panneau, là, panneau avec des directions. Temperance Vale, North-South. North-Nord. Oh, attends, pourquoi North et Nord? Millville. Ce serait pas genre... Y a pas des... Si, c'est pas l'Angleterre, ça? Attends. Bah non, du coup, ça va être l'Angleterre, vu qu'on est du bon côté de la route, et les panneaux sont du bon côté de la route aussi. C'est pas le Pérou, mais où? Bonsoir. Excusez-moi, monsieur. Il a une grosse bagnole. Il a une grosse bagnole pour que ce soit l'Angleterre, de toute façon. Donc, il a une grosse bagnole pour que ce soit l'Europe en général. Donc, ouais, Canada. Canada, c'est pas mal. Putain, Rome 2, il a raison. North et Nord. Ça veut dire que c'est... Je suis sûr que c'est au Canada ou... En Ontario ou les conneries comme ça là. Ouais ouais, ça c'est nord-américain de ouf, ça. Nord-américain de ouf. Par contre, je peux pas aller là-bas là. Les maisons rouges sûrement. Ouais ouais, non, carrément. Je vais reculer un peu, j'aimerais bien pouvoir prendre cette route là en fait, moi. Non? Bon bah je vais me faire reculer alors, on fait comme ça. Oh putain, j'arrive pas à lire. Sud, regarde, c'est marqué South Sud. 605, il y a une grosse route, certainement une grosse route. grosse route. 605, vous pensez qu'on va pouvoir la trouver comme ça à la Zob ou quoi? Genre si on se rapproche de là. Attends, parce qu'il n'y a rien. Littéralement rien. En fait, il y a vraiment littéralement rien au Québec. Hein. Ah putain, ouais, il y a moyen qu'on trouve 605. 605 et 595, j'ai l'impression. Hein. Il va falloir juste qu'on trouve un petit peu là. Ouais, c'est au Québec ça, ouais. Carlton sur mer. Je sais. Littéralement deux peuples qui se sont dit on va faire une ville. Carlton sur mer. Métis sur mer, Montjoli. Vas-y, ils ont des noms rigolos. Saint-Narcisse de Rimouski. Trois pistoles. Saint-Michel du Squatec. Témiscouata sur le lac. C'est quoi ce nom de vidéo porno? J'y ai fait une Témiscouata sur le lac. Poénégamouk. Québec. Lévis, ok, y a rien d'autre. Saint-Tite. Appelez Tite-Ching, y'a Saint-Tite. Oh putain, on rigole vraiment de la merde, hein, les gars. On rigole vraiment sur de la merde. Par contre, c'est que des 400 depuis tout à l'heure, là. Attends, 101, 11. Sans... Winnipeg, voilà, Winnipeg, c'est joli, Winnipeg. Titoulipiditouloupip. Toutoutoutout. Touloutouloutout. 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 On a fait une côte d'un côté à l'autre et on n'a pas trouvé de nombre qui allait aussi loin. Bon, écoutez, les gars, on va se balader encore un peu, on va profiter de ce très beau paysage nord-américain qui ressemble absolument... Si je rate comme ça, on dirait Plohermel. On dirait Plohermel dans le Morbihan, poteau. Il y a des noms de villes au Canada qui ont dû garder le nom des territoires aux tribus amérindiennes, ça explique les noms bizarres. Oui, bah comme Winnipeg et trucs comme ça, en fait, c'est les noms des peuples. Chattanooga, des trucs comme ça, c'est des noms amérindiens, en fait, natifs.
natif canadien, quoi. Cette maison Desperate Housewives. Derrière, vous voyez carrément. Même celle-là, hein. Regarde, cette maison tellement nord-américaine, quoi. J'hallucine. Il y a vraiment rien au Canada. C'est pour ça qu'on y est tranquille. Au Canada, si t'as envie d'être tout seul, il y a pas de problème, hein. Je vais aller là-bas demander de la fibre. Je vais chercher du sorizo pour garder de la force. T'as raison, Scad. Abreuve-toi. Il y a Eva Longoria. What? Temperance Vale, Community Hall. Putain, la vache, c'est propre en tout cas comme quoi. Hein. Respect, hein. Il doit y avoir des nazis dans le coin, il doit y avoir des meurtres en série dans les maisons propres, tu sais, à la Elite dans The Punisher. Chattanooga, c'est l'endroit où il y a une putain de bataille pendant la sécession. Ah ouais, je savais pas, tiens. Une meuf dans... Il y a Eva Longoria dans Desperate Housewives. C'est laquelle? Ah, c'est pas genre... Suzanne. Je me souviens plus, c'est Pounce qui sait, ça. C'est laquelle, Eva Longoria? C'est la bimbo? Merde, c'est laquelle? Que je t'ai montré. Merde, c'est laquelle? Je me souviens plus des noms. Gabriel Solis. C'est un nom... Tu te gardes pas sur la pelouse? Ah non, il vend sa Mustang. Il vend sa Mustang, le mec. Attends, les gars, on peut pas avoir un numéro. On achète ça pour les meufs. Avec le mari mexicain. Ah oui. Avec Georges. Oui. Ah mais c'est elle, Eva Longoria. Ah non. Avec le mexicain qui revient de tôt et qui a trouvé... oui, qui a trouvé Jésus. Oui, mais oui, il est pas mexicain, Georges. Je suis con. C'est elle, Eva Longoria. C'est marrant, je pensais pas qu'elle avait cette gueule-là, moi. Attends, c'est qui? Monsieur, excusez-moi. Monsieur. Oui, monsieur. Hein, vous êtes apparemment... Mec, y'a Skull Kid derrière ou quoi, là? Ok, c'est quoi? Ah bah, tiens. Où est-ce qu'on est? C'est l'ex-fan de Tony Parker. Il a bien fait de changer. Donc, c'est drapeau canadien, mais c'était pas un drapeau québécois. Temperance Vale. Tu crois qu'on peut trouver Temperance Vale dans tout ce bordel? Mettons, c'est... Parce qu'il y a... Alberta, il y a un peu de monde. Là, il y a personne. À Saskatchewan, il y a personne. Manitoba, Paris, Ontario. En Ontario, il y a un peu de monde. Est-ce que tu penses qu'on peut trouver Temperance Vale juste en suivant la route? Thunder Bay. Putain, stylé. Silver Dollar. See You Look Out. Putain, il y a des noms de ouf. Portage de la prairie. Nipawa. Wassa Gaming. Je suis sûr qu'il y a une chaîne YouTube là-bas. À mon avis, on peut pas trouver Temperance Vale ici. Hein. Ah yes. Toulidididipidipoop. Skibidibidipidipop. Skibidibop. 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 Peptidipoop. Maple Creek. Medicine Hat. T'as plus 2 en soins avec ça. En fait, je suis pas en train de chercher du tout le coin où on était, je suis en train de regarder les noms rigolos. Camrose. Viking. T'es sérieux? Ah super, il y a 4 maisons. Ah putain, c'est classe. Esso en plus. Putain, on peut pas foutre le bonhomme là, j'aimerais bien aller là-bas. Y'a quoi d'autre? Barhead, Tiger Lily, White Windfall, Fox Creek, Little Smokey. Bon, j'arrête. Attends, j'arrête. On va chercher plus sérieusement. Allez, go, go, go. C'est parti, là. Avance, fonce. Ah, va. Construction, next, sur 4 km. Ok. Y'a un club de golf. Sans déconner, j'ai vu un bled qui s'appelle Prince Albert. Ben, certainement, vu que c'était un mec. C'était un mec, Prince Albert, avant d'être un piercing sur la bite. Cross Street. Salt Prairie. C'est de là que tu viens, Poons. De la prairie du sel. C'était le mari de la reine Victoria. Mais j'y connais rien, moi. J'ai vu le manga. C'est quoi? Je crois que c'était un piano. Le mec, il a vu 2 instruments dans sa vie.
Alors, faut quand même qu'on essaye de trouver un bled. J'ai l'impression qu'il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien dans ce bled. T'as quand Alisa, j'ai cassé mon champ ISO. Avant d'être un piercing sur la bite, crac. Je suis désolé de t'avoir cassé le champ ISO, Scad. Scad, mets un porte-clé rond, là, au bout de ton champ ISO pour faire un Prince Albert à ton champ ISO pour déconner. Et prends une photo, vas-y, on va la poster. Et on appelle ça le Prince Alberto. Le Prince Chorizo. Le Prince Albert, c'est celui dans l'urètre. Ouais, c'est celui qui passe entre l'urètre, de l'urètre au frein, en fait, je crois, non? Enfin, c'est dégueulasse, hein. Je trouve, à chaque fois que j'en parle, j'ai des gros frissons parce que je trouve ça vraiment horrible. Et je pense que de se faire percer l'urètre et le frein, ça doit être quelque chose, ça doit être une expérience unique et heureusement, quoi, vraiment. Ouais, non, c'est horrible, c'est vraiment dégueulasse. On arrête, on parle plus de ça, on parle plus de ça, les mecs, on parle plus de ça, putain, on s'en fout. On s'en fout vos gueules. Putain, mais y'a que dalle dans ce bled, c'est incroyable. Allez, ça me saoule. On va trouver un autre coin. C'était marqué quoi? Atikameg. Attends, on va retourner au Québec. C'était marrant. Tom, 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 tom. Happy Valley Goose Bay. Rigolet. Tiens, y'a Scad, il vient d'ici, lui. Postville, Makovic, Aikik, Hopedale. Natuashish, ok, un Zoar, oh la vache, le nom d'ennemi des Pokémon. Nain. Faites pas de blagues. Aéroport de nain. Yadar, j'ai rien dit. Yadar, j'ai rien dit. Yadar, hey, j'ai rien dit là. Hey, c'est pas moi, je peux pas, j'ai rien dit. Newbie, bah, je t'emmerde. Ah ouais, j'étais quand même à 1500 km, quoi. C'était au Nouveau-Brunswick. À côté de Fredericton. Prince William. À côté de Meductic. Ah oui, Temperance Vale, c'était là, ouais. On n'aurait pas pu le trouver. Je pense qu'on aurait galéré à trouver, ouais. Bon, bah c'est cool. C'est pas grave. Eh, pas mal quand même, 16 000 points. Bon, y en a un, on a un peu... je pense qu'il nous a fait perdre 20 000 points à lui tout seul. More like nouveau Breivik. Oh. Ouf. Ça pique de ouf, ça. Bon, allez, on est où parce qu'on va quand même commencer à chercher la France. Pas déconner, non? France. Give me that shit. 500 000 lieux en France métropolitaine. Allez! Let's go! Alors, le Cantal. Allez! Let's go! Plap! Je sais pas où c'est le Cantal. Merde, j'ai mis à Toulouse. C'était où? Ah, c'était là. Merde. Tant pis. Ok, où est-ce que c'est ça? Bretagne. Brienne les balades. Non, ça c'est ici. Blip! Ah merde! Ah! Bretagne! Blip! Ah! Ah! Bretagne! Blip! Oh! C'était où? Non, c'était pas du tout en Bretagne. C'est pas grave! Ah! je sais pas. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça ressemble à rien. C'est le Nord-Pas-de-Calais ou quoi, là? Ouais, l'Autriche a gueulé Picardie. Mais j'aurais tendance à être d'accord, non? Parce que... Contre... Châtre. Le Chenguillo. Coude. Coude contre. Qu'est-ce que c'est, ces conneries, là? Freine. Feigne. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, c'est pas... Choussi. Y'a Choussi! Attends, je vais aller à Choussi! Oh merde! Y'a Choussi! Oh, putain! C'est où Fresne? C'est où Fresne? Ça me dit quelque chose, Fresne? Fresne? Ça, c'est pas juste en dessous de Paris, justement, avec les noms rigolos là? Fresne, ça me dit quelque chose, Fresne? Mais casse-toi, toi! Il y a une prison à Fresne. Oui, c'est ça, il y a une maison d'arrêt à Fresne. À Fresne. Les Corbières, route de Feng.
Ah, c'est des persos DLC de Street 5, ça. Le Saint-Vincent. Ah, mon frère s'appelle Vincent. On s'en bat les couilles. Allez, voyons voir. On va se barrer un peu du village. On va voir déjà c'est quoi le nom du bled, là. Il y avait Fren, c'est sous Paris, 100% sûr. Ouais, c'est certainement ça, hein. De toute façon, on a déjà foiré le game, donc allez, hop. Blip. 107 km, c'était où? À quoi? C'était marqué Orly? Osly? Oli? Osly? À côté de Char... Ouais, contre, c'était là, ouais. Ouais, c'est vraiment de la merde, ce bled, hein. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, mais... Je suis désolé, mais c'est de la merde. Allez. Oh, Bretagne. Non. Ouh, oh, c'est joli, comme quoi, hein, dis donc. Avec les murs végétaux comme ça, ça me rappelle l'île et vilaine. Qu'est-ce que c'est ça? Chemin de Quincia. On s'en bat les couilles. Normandie? Ça dit Normandie. Écoute, il y a Funeral, il s'y connaît très bien en Normandie. Il va nous dire. C'est quoi? Les Fougères. Putain, dans le 35, il y a un bled qui s'appelle Fougères. Commune de Villefontaine. Ah, peut-être pas. Villefontaine, ça fait... Ah ouais! Non, justement, le JDG, lui, il est à Fougères, pas à Les Fougères. JDG, il était à Fougères dans le 35, justement. C'est pas normand, Villefontaine. Ouais, je trouve, hein. J'adore cette chanson, elle est trop bien. Alors, putain, mais fais chier cette map, là. Un enfant, une chèvre... dans le cul. Quincia encore, je sais pas ce que c'est. Putain, mais vous pouvez pas les nommer vos putains de bled là. Quincia, mais on a compris. on est à côté de four et autres directions. Oh, putain. Allez, four. C'est quoi comme bled qui s'appelle four? Montre-leur mon délicieux prince Alberto. Et tu l'as envoyé. Ah non. Oh mec, j'hallucine. Vous le voyez du coup. Oh putain. Oh le con! Ah, ça me fait mal! Ça me fait mal au sifflard! Ah, qu'est-ce que t'es con! Qu'est-ce que t'es con, putain! Oh là là! Allez, mais c'est parti! Putain! J'ai mal à mon prépu! Oh, oh! La cabane! La cabane à frites! Ouais! Four, no joke, c'est près de Lyon, il me semble. C'est vrai. Lyon, c'est où? C'est là? Il y a Mâcon. Ça me fait rire, Mâcon. Amas, Tarare. Je crois que c'était marqué Tartare, mon gars. Bon, on va voir. Bron. Voyons voir. Lalize et Asnec. Impeccable. Ça, je mangerais bien une petite frite, là. C'est pas un prince Albert. Bah là, en fait, il l'a fait juste percer le gland. C'est vrai que le prince Albert, il aurait dû être plus... Déjà, je crois que ça se fait pas avec un anneau. Mais attends, je vais voir des photos. Alors... Y a quoi comme direction voyons voir. Chaussée des Escoffiers. Ah, ils sont cons avec leur nom, putain. Arrêtez de me faire marrer. Chaussée des Escoffiers, là. Rue de Quin... Vous me faites chier avec Quincia, putain. Nouveau... Villefontaine. On s'en fout, non? Villefontaine. C'est quand t'es gigle à la fin. Villefontaine. Ouais, non, ça va être chaud de chercher comme ça, non? Rigolez pas, c'est de la merde, ma vanne, rigolez pas. Villefontaine, c'est pas loin de chez moi. T'habites où, toi?
Il habite où, Hoffman? Putain, il va mettre 8 ans à répondre. C'est où? À Bron? Ah bah oui, d'accord, t'habites là en fait, donc il avait raison. Bron, c'était en plus là, là. Saint-Marcelin! T'as la honte! Bref. Ah! Oh putain, ça m'a pulvérisé ces conneries. Hein. C'était où Bron? J'ai vu Bron tout à l'heure là. On va pas aller à Chatte! Ah, si, m'en fous, moi je me là-dessus. Y'a quoi à Chatte? Mairie de Chatte! Regarde, ils ont mis Union Sportive Chatoise pour pas dire Union Sportive de Chatte! Ah! Oh les cons! Mairie de Chatte commune! Ah, y'a une grande rue à Chatte! En face de la perception! Vas-y, on va de temps, mon gars! Oh merde! Ah, Villefontaine, ouais, Four, ouais, Four, Villefontaine, Roche. Ouais, d'accord, ouais. Oh putain, Chatte, ça m'a tué, ça m'a pulvérisé. Ouh, ça c'est. Ça, on dirait encore sud de Paris, ça. On va circuler un peu. Allez, circule. Voilà. On dirait la Picardie, c'est vrai? Là, on dirait la Picardie. Ah ouais? Ah ouais? On va voir, c'est quoi, ça? Écart d'Éreuse, commune de Bailleul-le-Soc. Déjà, ça n'a aucun sens. Bailleul-le-Soc, ça dit quelque chose à quelqu'un ou quoi? Vu les murs en briques, ça fait pas sud! Dit funéral. Non, ça dit à personne? Mm-hmm. On dirait genre vers Étampes et tout. Ça n'existe pas ce que tu dis, Poon, ça n'a aucun sens. Sous Paris, bah c'est ça, ouais, on dirait sous Paris, non? Attends, si c'est sous Paris, il va y avoir des noms rigolos là. Blincourt, ouais, non mais tellement. Saint-Denis, bah ouais, c'est sous Paris ça. Bailleul-le-Soc, Hérène, la Neuville-Roi, bah oui, bien sûr. Évidemment que c'est sous Paris, ça. Bah si! Non? Oui, c'est à côté de Paris, ça! Blincourt! Une partie de Jazacourt! Blincourt, c'est pas dans le coin, là? Regarde! Étampes! Ouais, Étampes, elle a dit ça tout à l'heure, Poons! C'est où, Blincourt? Je suis sûr qu'il y a Blincourt, quelque part. National 31, oui, National 31. N36, N34, N1A15... Comment on trouve facilement les routes C'est en haut de Paris? Ah ouais? N31, oui, vous avez raison, N31. Elle est très grande, la N31, quand même. Hein. Non, c'est celle-là, là. C'est celle-là qui fait ça, là. Ah oui, ok, ah oui. Ah ouais, elle est pas mal. Mais pourquoi N31, en fait? T'as vu ça où? Mais t'as vu ça où, N31? Merde, attends, parce que je me suis bourré, là. Ah oui, vers N31, d'accord. Mais du coup, si on suit la N31, on peut trouver la D152. Et si on trouve la D152, on trouve le croisement entre la D101 et la D152. Donc il faut suivre la N31 et trouver la N152, d'accord? À mon avis, on devrait trouver comme ça. Hein. N31, D152, on a dit. Hein. Vous gueulez, vous me taguez si jamais vous trouvez, ok? D152... La N31 a disparu et je l'ai pas vu. D152. Donde está? Elle est pas dans le coin là? Oh. Non, elle n'est pas. Après, il dit vers N31. Ouais. Ça se trouve. Ça se trouve, non, ça se trouve, ils disent de la merde. Cherche plutôt Estrée-Saint-Denis. Du coup, attends, on avait dit Estrée. Chantilly. Attends, on va rester sur la N31 quand même, parce que ça doit être pas loin de la N31. Ça elle est à deux bornes, donc ça va, ouais. T'étais sur la N31. Oui, je sais que j'étais sur la N31, il est con, quoi. D152, c'est vers Paris, Vitry, un truc du genre. Ah, ah.
Siguiambrel, la Coudray Saint-Germer, c'est n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi avec vos noms, les gars, hein, vraiment. Je vous dis ça, Brel, bah tiens, je vous dis ça tout en amitié, hein. Ouh, vénère pour chercher une route, hein. Estre, ah, t'as trouvé Estre? Je reviens. Estre, où ça, Estre? T'es dessus. Viens où? Je suis aveugle ou quoi? Je te vois pas. Milieu maintenant. Non mais attends. C'est une vanne ou quoi? Ah, Estrée Saint-Denis. Ah oui, là, Estrée, d'accord. Le mec il dit Estre, moi je cherche Estre, mais c'est Estrée Saint-Denis. Oh, forcément, il casse les couilles, l'autre con. D155, du coup la D152 doit pas être loin, non? D152, yeah, Bayeul le soc. VRN31, donc du coup il faut qu'on remonte là, bah voilà, D101. On est là, c'est le croisement D152, D101 avec. Ouais, ouais, c'est ça, D101. Du coup, il faut qu'on prenne direction Blincourt, parce qu'on était venu de Blincourt, je crois. Bah écoute, Bayeul le soc. Ouais. Là. Ouh. Ouh, c'est bon quand même. Franchement, 3 km, c'est pas mal, quoi. Franchement, c'est pas mal. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais mec, t'es sérieux? Il m'a foutu dans la forêt! Mais oui, mais on dirait chez les Manouches! On dirait la Bretagne, là! Putain, on dirait le 56! Après, tout ressemble au 56, donc... Non, j'ai rien dit, le 56, c'est le plus beau pays du monde. Faut trouver un nom et on est bon. Non mais je suis con, une départementale logique, il y en a plusieurs avec le même nombre. Ah bon? Ouais, oui, ouais. Ah là, qu'est-ce que t'es con, hein, sauve. Moi, je savais ça, hein. Des conneries, ce que tu dis, là. Grande banlieue lyonnaise. En fait, le problème, c'est que ça ressemble à partout, donc du coup, tout le monde pense que c'est chez eux. Morbihan, RPZ, bah évidemment, Morbihan, RPZ. Ouh là là, oh, putain, ça fait quand même bien Bretagne. on va se balader encore un peu. Encore Tekken? Mais calme-toi. Cornaria, mais t'es sérieux? Yes, c'est bon ça. Les ardoises, c'est le nord. Ils ont pas l'ardoise dans le nord, ils ont des petites briques. Saint-Eugène, Saint-Brieuc, bah voilà! Si c'est le Saint-Brieuc que je connais, écoute, c'est Bretagne, hein. Allez, on va voir Saint-Brieuc là. Dwelly! Il est où Dwelly? Saint-Brieuc, c'est son coin ça. Je suis en train de gueuler. Oh Dwelly! Oh Saint-Brieuc! Saint-Brieuc! Putain la vache, c'est quoi cette route là de Sleepy Hollow? J'ai l'impression que je vais me faire égorger par une pute. J'ai pas vu Sleepy Hollow. Voilà les routes! Putain! Pourquoi quand ça fait clodo, ça fait breton? C'est pas vrai ce que tu dis, tu retires ça tout de suite ou t'es ban. Ou je te mets pas ton statut VIP. Sale enculé. Ah ouais, ça c'est la Bretagne de ouf. Vas-y, on va foutre à côté de Saint-Brieuc. C'est dans le coin Saint-Brieuc, ouais, c'est ça là. Lamballe, vas-y, on va foutre à côté de Lamballe. Putain, c'était dans. Non, c'est pas le Morbihan. Plesse. Non, je crois que c'est juste avant, c'est encore le Pays de la Loire là. Oh putain, c'est juste à côté. Plesse, Pays de la Loire, ouais, c'est ça. C'était pas Morbihan, c'est pour ça que j'étais confondu. C'était pas Morbihan, alors vos gueules. Un doigt dans les plaies. C'est quoi ça? Ça c'est Bretagne. Non, ça on dirait plus le sud. Réserve de chasse. Eh, vous avez pas chassé grand chose là-dedans. Ça on dirait sud un peu, non? Y'en a pas qui vivent dans le sud là? Si, ça fait sud. Hein. On dirait des oliviers. Et des petites haies rigolotes. Ça c'est Toulousain. T'es d'où toi, Ruru? Moi je suis du 56, je suis de Vannes. Ok, je mate. Vas-y, regarde. Y'a du Pimon d'Espelette. Attends, y'a un nom là. Saul et Chartreux, carrément. Donc on part sur du nom composé, quoi. Saul et Chartreux, mais pour le coup, ça fait encore sud de Paris, là. Putain, ils vont pas nous niquer combien de fois avec le sud de Paris? Ça casse les couilles, la merde.
Peut-être que c'était pris pendant une canicule après, hein. Et qu'on dirait qu'il fait chaud, mais en fait, c'est de la merde. Ah, c'est quoi ça? Ville du Bois, 92, FAR, y'a rien à faire. Ouais, je t'ai vu, ta tête est la touffe de mouton, généralement. Tout le monde dit que c'est une tête de con. Mais non, vent, veut pas van, ni con. Ouais, c'est dans le 91. Vous pensez que c'est ici? Oula, ah non, non, ils bossent ici. Non, c'est des mecs qui bossent ici, mais en tout cas, je pense que c'est dans le 91-92. Ils vont pas aller bosser dans un autre... Attends, parce que je crois que quelqu'un nous a envoyé encore un mail. Tu me fais pleurer de rire, FDP. Merci beaucoup, Jocelyn. Jocelyn, il est tranquille, il fait ses petites bricoles. Le 91, c'est l'Essonne. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Je sais pas où c'est le 91, je sais pas ce que c'est l'Essonne. Pour moi, l'Essonne, c'est quand même l'Essonne ou les Martines. sinon, c'est tout. Hein. Sud-ouest de Paris, ah bon? Brocante, vide-grenier, à Linas. On est à Linas, là? Ou à moi, rue de la division Leclerc. Putain. Ah, ils sont en colère, les gars, ici, en tout cas. Hein. Palaiso. Ah, Massy Palaiso, je connais ça. À mon avis, on est à Palaiso, là. Voyons voir. Quelqu'un sait où c'est le 91? Sud-ouest de Paris? Ici, là? Parce que Palaiso, ça me dit quelque chose, moi. Warville. Warville. Warhammer. Sud-est. Ah. Sud-est, on dit. Vers Melun. Putain, c'est moche, Melun, non? Melon et Melèche sont dans un bateau. Palisse. Ah, il y avait Palisse tout à l'heure, non? J'ai pas lu ça? Non, à Linas, merde. Le con. Palaiso, y a que dalle, là. Warville. Béton. Juste à côté de la rue de la division Leclerc, Warville. Palaiso, sud de Paris, sous Clamart. C'est où, Clamart? C'est quoi ces conneries? Vous faites n'importe quoi avec vos noms de ville, changez! Attends, on va chercher un peu mieux, on va chercher un peu mieux, là, parce que c'est n'importe quoi. On a aucun professionnalisme, là, c'est n'importe quoi. Mais un petit bled assez mignon, quand même, j'aime beaucoup. Oh. Bonsoir. Oh là là, dis donc, ouais. Des orques! Alors tu vois, là je lui dis, tire mon doigt! Non, sérieux! Et ils ont fait n'importe quoi avec leur truc. Rue du Pont au Pin, Montlhéry. 91, Montlhéry. Vous savez vraiment où c'est le 91? Parce que du coup là on a un nom de bled. On sait où on est, Montlhéry. Faut monter un peu, vous dites? Là? Dans le coin? C'est un peu proche, non? Mec, j'y connais rien. Montlhéry, je pense qu'on devrait le voir en plus, là. On est assez proche pour voir. Ouais. Essonne, sud Paris. Là, ici. Tu vois Créteil? Absolument pas. Je connais absolument que dalle. En fait, si tu prends la zone... en fait, si tu prends cette zone là, de la France, je ne connais absolument rien. Ah, j'étais sur Montlhéry, d'accord, merde. Ici? J'étais sur Montlhéry, là? Genre vraiment sous Paris. Cette chanson m'a calmé instantanément. Évry, poil à droite, t'es dans les Seines. Là, je suis dans les Seines, là? Ah oui, Évry, là, ok. Quelqu'un a vu Montlhéry tout de suite, là, non? Vers la forêt de Verrières, la forêt de Sénard, là. On est en train de faire un tir orbital, mais on essaye de pas trop... Massy, bah voilà, Massy Palaiso. C'est dans le coin, du coup, là. Il y a Palaiso. Il doit y avoir Montlhéry... Montlhéry dans le coin, non? Montlhéry. J'ai, c'est bon. Alors du coup, on était ici. Oh là 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 là. Donc on a pris ça, je crois. On est allé tout droit, là. Vers le nord. Donc on était au sud de Montlhéry. Vu qu'on allait... Linas, d'accord. Montlhéry, donc Linas, c'est un coin de Montlhéry. Ok. Ça fait plaisir d'avoir vu le nom de mon bled, wallah. Montlhéry, c'est la boîte de bâtiment. Bah non. Non, ils étaient en train de... Mais si, en fait, c'était le...
ce qu'ils étaient en train de faire, non? Ils bossaient sur la rue qui s'appelait sur une rue, et c'était le nom de la, c'était l'adresse en fait. Ils étaient en train de dire ce qu'ils allaient faire. Saul et Chartreux, eh, ça on peut trouver Saul et Chartreux. Saul et Chartreux, ils sont chauds les Chartreux. Rue Fromagère. Ascad, il habite là, je suis sûr. On va passer un peu en dessous de l'Inas, voir si on peut pas tomber sur l'autre truc là. Le Plessipat. Mon Eris, c'est la boîte qui fait les travaux. Ah, tu crois? En tout cas, l'Inas, on était juste à côté. L'Inas, ça parlait de l'Inas tout à l'heure, donc vas-y, c'est long. Vas-y, c'est long, on va foutre l'Inas, vas-y. Enfin, l'Ina, j'imagine. Ouh! Ah, Sol et Chartreux, c'était au-dessus. Merde! T'as été... franchement, non, c'est pas grave. Franchement. Eh, les gars, 7 km, c'est bon, quoi. On est déjà en train de défoncer le score. C'est bon, là. Ouh là, de la neige. Non, une tornade au milieu, là. Ok. Bonne nuit, les petits. Bah, bonne nuit, Enculatrix. Merci d'être passé. À chaque fois, en fait, c'est difficile de dire bonne nuit, Enculatrix. Il y a un problème. Il y a une dissonance dans la bouche. Ville juif MDR. Ouf. Tout à l'heure, on a vu Martin. Maintenant, c'est le taureau, là, dans Cars. Russie. Quel connard. Il y a un bled là-bas, là. On va voir un nom de bled. Ouais, on va voir. C'est le Niger. On verra vite avec la population. Berneville, D62. Ça se voit vite les D ou quoi? Non, non, c'est que les A, les autoroutes qu'on voit vite. D62, on va jamais trouver. Berneville. C'est pas utile, hein. AND. AND, tu connais? Bah, tu connais pas. Ah, Berneville. Et si tu sais, mon gars, tu sais pas. Si tu parles, on te reverra pas. Ici. C'est comme ça, sur son carache, à l'aide de feu, BZH, ça sent le nord, tu trouves? Baumes les L. Mamie. Nani Deska. Ralentissez, pensez à nos enfants. Essayez de les écraser plus lentement. Merci pour votre participation. Ah, les gilets jaunes! Ah bah non, ça peut pas être déjà. C'était pris en 2014. Les cons. C'est ça la mairie? Ou alors c'est juste un patriote qui habite là? Je connais pas Berneville, mais le coin me dit quelque chose. Ah, intéressant. Ta-ta-da-da-da. Facho, le pauvre, il a un petit drapeau français. Marlu, Agnélédé, Duisant. N'importe quoi. Non, c'est Warlu en plus. Wouah. C'est quel personnage de Mario Party, ça? Dunville, Wally, Wiley. C'est quoi? Pourquoi il y a Wally et Warlu? Par contre, Warlu, c'est le nord-est, ça, non? C'est pas le nom qu'on trouve un peu dans le nord-est? Si, ouais, c'est ça, hein. Warly, Wiley et Warlu sont dans un bateau. Vas-y, ouais, à mon avis, c'est ça, nord-est, ouais. Ça m'a fait extrêmement peur, la chanson, là. On l'a déjà vu tout à l'heure, celle-là, là. Putain, c'est quoi? Ah, voilà. Wiley et Warlu sont dans un bateau. C'est pas normand. Ouais, bah forcément que c'est pas normand. Mais oui, c'est dans le coin, là. Hein. Thionville. Sedan, Maubeuge. Vous l'avez vu, le poste, là. Il a tourné pas mal, le poste. Le mec, il dit, ça fait mal, un tatouage. Le mec, il fait, bah, ça dépend du... Merde, qu'est-ce qu'il dit? Merde, ça dépend du lieu, je crois. Le mec, il fait, ça fait mal, un tatouage. Le mec, ça dépend du lieu. Le mec, il fait, bah, je suis de Maubeuge. Ah. Ah, ça m'a tué. Ça m'a pulvérisé. Ça dépend de l'endroit. Il disait ça. Attends. Est-ce que je peux le trouver? Le poste. Mais non, bah, du coup, je tombe du cul sur des photos de Maubeuge. Et c'est moche en plus. Bon, bref, on se balade. Bah, ça fait mal un tatouage, ça dépend de l'endroit. Je suis de Maubeuge. Ah, ça m'a tué. Ok, alors voulons voir. Chemin. Putain, Dainville, je crois que c'est marqué Deauville. Y a genre un panneau toute direction ou une connerie dans le genre? Putain, je fais chier de ralentir pour penser aux enfants là. J'ai écrit Maubeuge sur YouTube. Ok, c'est bien, hein, l'autruche.
Continue à te servir de YouTube, c'est comme ça que t'apprendras. Ok, on part de Berneville, c'est pas grave. On saura qu'il faut retourner à Berneville. Avançons un petit peu, on va essayer de trouver un bled plus conséquent ou au moins... Ah d'accord, je croyais que le mec s'était viandé dans un putain de champ. Merde, mais putain. Ouh, c'est bon ça. Ouh, c'est bon comme route ça. Ça va nous aider ça. Mon gars, j'ai écrit Maubeuge sur YouTube, il s'en passe des trucs à Maubeuge, putain. Il y a des suicides, Macron, des interpellations, Kev Adam, Bourville. Ouais, mes chaussures. Ouais, mon vélo. C'est Schnorr. On dit pas le Schnorr, on dit c'est Schnorr. Je crois que che, en fait, c'est fait pour remplacer le. Ouais. C'est Schnorr, on dit. C'est encore plus vénère, en fait, que dire le Schnorr. Le clair de lune à Maubeuge. C'est beau ce que tu dis. J'ai envie que tu m'emmènes là-bas, Madness. Emmène-moi à Maubeuge. C'est quoi ça? Beaumesse-les-Loges. Ah bah voilà, c'est ça. Beaumesse-les-Loges. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais... Putain, mais c'est tellement paumé, on dirait My Summer Car, quoi. Godefroy. Oh, Yadar. A 25... Merde, A 25, c'est marqué? Où ça? Merde. A 25, ouais. N25. C'est N25, là. On voit aussi les N. Maintenant, c'est une nationale. On va pas voir. Ouais, merde. Ah ouais, ouais, je voyais que t'étais chaud, mais. Mais peut-être dans le nord si on cherche un peu. Ah non, mais N, maintenant, N, c'est tout petit les N. Non? Ah, N25! Oh putain, le bol! Beaumesse les loges! Oh le con! Oh putain! Oh le vieux coup de chat de ouf! Oh le vieux coup de chat de ouf! On était où? On était à Berne. C'est ça, Berne? Poulainville, Bertangle. On était à Berne, à Berne, c'est ça? Non, Berneville, je sais pas quoi, là. Putain, Beaumesse-les-Loges, en tout cas, c'est là. Berneville! Ici, ok. Allez, on retourne, oui, là, les mecs, ils disent là. Non. Oh putain, j'ai eu peur, je croyais que j'avais coupé. Oh non, mais arrête avec ça. Decrease the size, voilà, putain, la vache. Oh, ça m'a fait paniquer de ouf. Donc du coup, là, on est au nord, on est au nord de Berneville, et on va vers le sud. On dirait le sud. On est sur quelle route de Berneville? Ah bah non, on est à Beaumesse-les-Loges, du coup. Je croyais qu'on avait commencé à Berneville. Ah non, on avait bien commencé à... Et la vie sûrement, des bien millions d'années, mais toujours en été. Nout. Eh, mais franchement, t'es trop un bâtard. D62, ok, on est sur la D62. Au-dessus de Beaumesse-les-Loges. Le moulin, rue de Beaumesse. Donc, à mon avis, si on repart vers le nord, là, ça doit être l'embranchement, là, non? Ouais, ça va être ça. Et nous, on était arrivés... De où? De là? Non, merde, je suis encore paumé. Non, de là. On était juste là. À mon avis, c'est genre... non, c'était pas là. Beaumesse-les-Loges. Si, c'est bien. On est bien sur la D62. Oh là, le moulin. Mais oui, c'est là. Si, si, là. Je suis sûr, je pense qu'on est là. Mec, je pense qu'on est là. Oh! Ah, yeah. 3 mètres. Poteau. Sur quand même un gros coup de chat quand même. Hein. Franchement, un gros coup de chat. On aurait pas pu. Si on n'avait pas tombé sur la putain de N25 au hasard comme ça, franchement, on aurait jamais pu quoi. Bon, on va tester encore un autre pack de map, enfin une autre map, et ensuite je couperai, d'accord? Ça vous dit? Ça aura fait une bonne petite partie de GeoGuessr. Australia, absolument pas. New York City, absolument pas. Y a rien France là. Bretagne, y a pas Bretagne. Brest, Bretagne, t'es sérieux?
Y'a une map braise. C'est où ça? Voir. La Nivis Plougarno Kirlouan. Yeah! Yeah, my nigga! That's my shit! That's my shit! Tu le vois direct! Tu le vois direct quand t'es en Bretagne, mon gars! Plougarno! Mon gars, tu sais que quand t'es à Plougarno, tu franchement, tu sais que t'es en Bretagne direct, quoi. Non, on va pas faire juste Bretagne. Allez, non, y'a des mecs qui sont pas bretons, ils vont rien comprendre. C'est quoi, y'a un challenge? Vous voulez qu'on fasse quoi, les gars? On cherche quoi? Est-ce qu'il y a Funny, genre... Funny. Cool, Funny and beautiful moment. Funny. Cherche les noms marrants en France. Tu veux qu'on retourne sur la France? Cherche des trucs flippants. Along the river, Garonne, Grand Est, Île de la Réunion, Jura Mountains. France, les rues de la soif! Non! Mec, y'a plein de trucs sur la France. Nom de bled improbable! Exact, putain, ce cas dur! Nom de bled improbable! Let's go! Tu peux pas faire ça, putain! Mon téton, non, quoi! Tu peux pas faire ça! Faut trouver mon téton, les mecs! Comme un mec, je suis sûr on va arriver à chat. Je suis sûr qu'ils vont nous mettre chat juste après. C'est obligé qu'ils nous mettent chat. Si c'est pas le prochain, ce sera dans le pack de map, c'est obligé. Mon téton. Allemand pardaillant, pardaillec. Tu sais quoi, vas-y, non, j'ai juste trop hâte. Je suis sûr que c'est dans une connerie là-dedans, non? Ah non, c'était là, ok. À côté de Bergerac, Marmande. Et c'est où? Vulvos. Ah, Vulvos. Oh, ce nom de méchant dans les Power Rangers. T'as pas envie de le toucher, quoi. Fais gaffe. Avec son canon RP Sox. Oh, la tuerie. Mais du coup, j'espère qu'il y en a plein. Parce que là, j'ai juste envie de skip pour voir ce que c'est, quoi. Bah, les couilles. On est où, là? Fourqueux. Oh là là. Attends. Eh, on connaît pas un mec qui s'appelle qui habite à Fourqueux? Fourqueux, quoi. Ville jumelée avec Schwelm. Allez, c'est dans le coin, là, non? Je suis pas là, là. Ah, c'était à Paris, ok. Y'en a que 5 des maps, là? Ah, oh, les cons! Non, mais c'est pas possible! Crotenay, quoi! Merci beaucoup, Pav! Merci beaucoup, Pav. Juste parce que je me marre depuis le début du stream, merci. Eh, écoute, ça fait super plaisir, mec. Je suis content. Moi aussi, je me marre depuis le début du stream, là. C'est une tuerie, là. Mon froc. Oh, c'est mignon. C'est mignon comme tout. Mais du coup, si on fait ça, avec View Summary, et si on fait la même map, c'est qu'on tombe sur quoi? On tombe aussi sur mon téton, d'accord, ok. On tombe sur mon téton. Attends, parce que du coup, il y en a 3 des maps comme ça? Voyons voir. Je connais cette ville. Oh là là. Il y en avait 3. Ouais, t'inquiète, regarde. Let's go! Faux! Nul, zéro! Oh! Oh, la petite référence du DD! Oh, mec! J'hallucine! Faux, nul, zéro! Très bon! Très très bon! On est où là? Pisslou! Oh, ça c'est mignon, Pisslou! On a l'impression que c'est là-dedans, là, dans le sud. Absolument pas. Pff, n'importe quoi. Cité du pays Qatar, Cucugnan. Qu'est-ce que c'est? Mais attends, c'est quoi ce panneau? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le pays Qatar? Cucugnan. Mais ouais, ça fait à moitié celte en fait. C'est quoi ces gens là?
Mais me parle pas, quoi. Mais me parle même pas, quoi. Saint-Rémy en Bouzemont, Saint-Geneste et Issou. Issou. Putain, ils font n'importe quoi, les mecs. Ils font n'importe quoi avec leur bled. Issou, quoi. Oh là là, fait Issou. Fat Issou. Voilà, à force de rire, je fais des postillons partout sur mon écran. Vieux. Oh non, viol le fort. Oh là là, mec, y a des problèmes. Ouais, super, c'est génial. Ah oh, putain, c'est tout déjà. Oh. Vas-y, d'autres. Je suis trop hypé par ça. Allez, troisième et dernière. Glandage. Oh, c'est Spider, il vient de là. Attends, viole le fort, en occitan, viole votre fortos. Il est où le gentilé? Je veux le gentilé. Oh, c'est les violiens, merde, je crois que c'était marqué les violents au début. Je me disais, c'était beaucoup trop stylé. Mais en fait, le gentilé de viol sur le viole le fort, c'est les violiens. Ça a l'air d'être un très joli bled d'ailleurs, viole le fort, vraiment, très joli. Je suis violent. Glandage, allez, let's go. Sex Fontaine. C'est un groupe de punk rock anglais des années 80, les Sex Fontaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vas-y, impressionne-moi. Mais t'es un enculé, le mec, il m'a mis nulle part, là. Ah. Faut la chercher, celle-là, dis donc. Ah non, mais c'est un gros bâtard, ça a bugué. Ah bah ouais, c'est bon, là, t'as de la vitesse, dis donc. Eh, t'as pas fait le championnat du monde? Voilà. Voilà. On y est. Ah, arnaque la poste, je connais ça. Je connais arnaque la poste. Attendez les mecs, on avait pas fait une partie où il fallait trouver arnaque la poste justement. Ça me dit quelque chose. Allez hop. Bon bah voilà. Alors par contre il y avait d'autres maps juste vite fait dans France. Il y avait d'autres maps un peu funky j'ai l'impression. Attends parce que Diablo. T'es cool, j'adore Tristram, je trouve ça très joli. Ah, Turrican, c'est bon ça. France, il y avait des trucs pas mal. Les rues de la soif, voilà, c'est ça que je voulais. Les rues de la soif. Où est-ce que ça peut être ça? C'est pas Rennes? Attends, c'est quoi cette place là? Non, c'est pas Rennes. Je crois pas. Non, c'est pas Rennes du tout ça. On dirait Carcassonne. C'est quoi ça? C'est quoi comme comme truc? Ouh! Lui, je suis sûr... Est-ce qu'il y a quelqu'un sur... Je suis sûr que cet homme est sur notre chat. C'est obligé que cet homme-là est sur notre chat. Il a une tête à être sur notre chat, ce gars. Les Rangers de sac pourrave. Le t-shirt de groupe, on dirait du je sais pas, on dirait du Dragon Force. Mais oui, on dirait Drektan. C'est ça que je me disais, on dirait Drektan en plus roux, en fait. Vous pensez que c'est Lyon? Oh putain, 800 mètres. Oh la vache. Ah, bien joué, les gars. Tacos XP. C'est juste après Tacos Millennium. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oulo. Il fait un petit pouce, non? Ah non. Pas du tout. Je connais pas ce coin. Je vois pas où c'est ça, je connais pas. En même temps, les rues de la soif, c'est très spécifique, hein, donc... Ça dit à quelqu'un, ce coin-là, ou quoi? City Kebab. Attends, il y avait des panneaux, là. Non, il y avait pas de panneaux du tout, en fait. Je suis complètement aveugle.
On dirait Marseille, tu trouves? Allez, l'autruche. Il a dit Marseille. Tac. Ouh, mine de rien. Eh, mine de rien, mec, t'es pas trop loin. Tout. Je baisse un peu le son de ça. De toute façon, on a bientôt fini. Hein. Ah. Voilà, on fait cette partie-là et puis ensuite on coupera avec. Alors, la rumba, elle danse tous les soirs. C'est pas ça du tout la chanson, hein. C'est quoi ce bled? On dirait le même que tout à l'heure. Regarde-moi tous ces branleurs, là. Eh, Alex, regarde-les, eux, là. Regarde la méga forge, là. Où est-ce qu'on est, là? Je sais pas du tout où c'est. Mais on dirait la même que tout à l'heure. Pharmacie d'Anjou. Je sais pas où c'est. Ouais, super. Oh là là, oh le bordel. Oh, oh c'est joli ça. Attends. Tu connais pas? Je connais ce nom? Bah je sais pas si on... Non, je sais pas si... Putain, on dirait Rennes, mais... Bah je sais pas, on dirait Rennes, et ça, c'est... les trucs comme ça, il y en a à Vannes aussi. À Rennes, vous dites? On va voir Rennes. Bravo les gars. Bravo. C'est impeccable, super. Bravo les mecs. Aucun respect. Wow. C'est quoi ça? Bar restaurant texan mexicain. Le Yucatan. Qu'est-ce que c'est que ce bled? Quimper. C'est à Quimper? Agence de la cité, y'a pas... Ah non, je confonds. Putain, mais ça, pour le coup, on dirait Van encore, c'est pas possible. J'ai l'impression d'être déjà passé par là. Vas-y, on va foutre Van. Moi, je sais pas s'il y a une rue de la soif à Van, mais... Ah, non, c'était à Limoges, ok. Je sais pas où c'est Limoges. Enfin, si, je sais, maintenant je sais, mais... Y'a pas genre, ouais, People Falling ou un truc comme ça? Non, y'a pas Fall. Non, y'a pas. Comment on dit? C'est quoi le mot pour dire rigolo, mais pas disant rigolo? Y'a même pas Lille. Bah oui, y'a même pas Lille et y'a même pas Rennes, alors que la rue de la Soif de Rennes, elle est vénère en plus. Limoges, j'ai bu des verres avec des nazis. Ah oui, crazy, weird, tiens, weird. Cool and weird location. Funny and fun. Weird ass places. Weird people. Oh, c'est bon ça. Weird people. Vas-y, montre-moi des gens bizarres. Ah ouais. Ok. Ok, je vois. Je vois le délire. Je vois le délire. Y a pas Spider dans le coin là. Mec, ils font leur petite Comic-Con tranquille. Oh. Le Ghost Rider tout niqué. Oh, le Ghost Rider tout niqué. Pierre Ed Resto. Oh là là, même là. Oh, tout est niqué quoi. Tout est niqué. Qu'est-ce qu'il fait, Spider-Man? Oh, le cours du Dr. Connors. Ah, Spider-Man. Oh, les cons. Oh, I'm the joke, baby. Mec, le Hulk, il me tue. Il m'éclate. Y'a pas de la pépé un peu là? Putain, par contre, ça collectionne le Fedora dans le coin. À mon avis, c'est une fête à la con. C'est en France, du coup, non? On dirait... Pas du tout. Oh, dis donc. C'est quoi? Ah, c'est les îles de Man. Non, c'est pas l'île de Man. C'est quoi, ici, déjà? Ouais, enfin, c'est l'Écosse, quoi. Alors, c'est quoi? What? Mais... C'est quoi ce délire? What? Mais qu'est-ce qu'ils foutent dans leur jardin, les gros dangereux, là? Putain! Ah bah tiens, ouais, bah évidemment que c'est les États-Unis, tu Ah, j'adore! Ah, oh, j'adore, le mec! Oh! Oh la vache, il s'est pris un mur de réalité dans la gueule! Oh, c'est marrant, j'aime bien ce coin là. Vas-y, je suis sûr que c'est genre... c'est quoi? Fais voir.
Plaza La Fiesta, un Mexican Outlet. Tu crois que c'est au Mexique? À mon avis, c'est pas au Mexique. Oh, si, dis donc. À 1000 bornes près, mais... Le pauvre, il est même pas flouté. Google s'est dit, vas-y, tu sais quoi? Lui, on le laisse tranquille. DJ Khaled. Oh, j'adore. Oh, oh putain. Les mecs, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi de leur vie, les gens. Vraiment. Vraiment n'importe quoi. Oh putain. Bon, allez les gars, j'espère que ça vous a plu. C'était quand même assez génial, ce petit géoguesseur là. Je sais pas si on en fera vite du géoguesseur, parce que vous voyez bien, dès qu'on fouille un petit peu, en fait, ça s'essouffle assez facilement. Mais on verra si on fait d'autres versions de géoguesseur ou quoi, si on trouve les trucs sympathiques à faire. En attendant, demain, eh ben, ça stream. J'espère que vous avez passé quand même un très bon dimanche soir en ma compagnie. J'espère que ça vous a fait passer un petit peu le désespoir du dimanche soir et de la semaine à venir. Mais écoutez, demain soir, il y a stream. Ça, on va passer tous une bonne semaine. Semaine bien chargée. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous laisse avec une petite chanson. Avec quoi je vais vous laisser? Un truc un peu cool. Tiens, je vais vous laisser avec ça. Allez, bonne nuit les gars, ciao. Bilal, Sparky, mec d'Escar, t'inquiète. 92, FAR, y'a rien à faire. Arrête quoi? Putain. Arrête quoi? Je regarde ta tête et ta touffe de mouton. Généralement, tout le monde dit que t'as une tête de con. Attends, tu fais le mec, retourne au 93 qui te met la zermie. Même ton père se surnomme Kader. Il se saoule tous les soirs et ensuite, il trouve.